Bonsoir et bienvenue pour le concours de blagues hashtag 8. Si vous êtes en mesure de m'écouter, ça veut dire que ça s'est bien passé. Le principe est toujours aussi simple. Vous venez, vous faites une blague. Si elle est drôle, vous gagnez un sub. Si elle n'est pas drôle, vous partez avec la honte, les insultes du public, 2-3 faits sur votre maman, etc. etc. On aime et ce genre de choses. Alors effectivement, la fréquence des concours a un petit peu changé toutes les 2-3 semaines, mais au global, ça permet au concept de pouvoir tenir dans le temps. On va prendre un premier prétendant. Bonjour monsieur. Oh mon ref, comment tu vas? Ça va et toi? Comment est-ce qu'on appelle le bout de gras autour du clitoris? Une petite blague grivoise pour commencer, aucune idée monsieur. La femme. Mais t'es... ça va? On ne dérange pas. On commence tranquille. Vas-y. Mais regarde là, les mecs dans le chat, ils ont... Ce sera pour les mecs dans le chat, allez, donne-moi ton pseudo, on va accepter. Ça va ou quoi beau gosse? Ça va. Tranquille? Tranquille. Qu'est-ce qui est blanc, froid et qui tombe en hiver? Aucune idée. La neige, connard. Si j'avais dit la neige, t'aurais répondu quoi? Bah je sais pas, t'as pas répondu la neige. Mais en fait, je voulais le faire, mais je me disais, mais non, c'est quand même pas ça. Bon. J'étais déçu. Extrêmement déçu, mais c'est pas grave. Shame on you, frérot, bonne soirée. Bonsoir. Ça va? Ouais, ça va, et toi? Ouais, bah ça va super, mec. Bon, je peux te faire ma petite blague? Bah écoute, le tapis rouge t'est dressé. Bon, en fait, c'est l'histoire d'un pingouin, et il respire par les fesses. Mais tu vois, il bouge pas, mais il est essoufflé. Pourquoi? Aucune idée. Parce qu'il se fait enculer. Tu sais par où on repart ou pas? Ouais, apparemment, il savait où on repartait, le frérot. Bonsoir. Oui. Ça va? Ouais, ça va. C'est quoi le meilleur moyen de paiement pour une pute? Aucune idée. C'est le bitcoin. Mais t'es sérieux? Le bitcoin, putain. On est des gosses, hein. On est des gosses. Ça va, les mignonnettes, et puis j'ai rigolé. On est de bonne humeur, on commence tranquille. Allez, envoie ton pseudo, monsieur. Comment on appelle Zach Nani au Japon? Si tu dis un sumo, je te jure qu'on va se bagarrer, gros. Non, non. Vas-y, alors je sais pas. Zach. Alors il a dit Ozak, mais j'ai pas compris. C'est nul. Oui, salut. Bien. Alors, donc j'ai une petite blague pour toi. À quoi ressemble un vagin après avoir fait l'amour? Je sais pas, de la compote. À un bulldog qui a mangé un yaourt. Allez bien, non. Bonsoir monsieur. Ouais, salut. Bien beau gosse. J'ai un petit deal à te proposer. Si ma blague te fait rire, est-ce que t'es pas plutôt chaud pour donner un coup de pouce à un pote qui a sa marque de vêtements depuis 5 ans? Fais déjà ta blague, on verra après. Ouais. Quelle est l'activité la plus silencieuse? Aucune idée. Le parachute. Bien, je m'attendais à ce que ce soit nul, hein. Non, franchement, je suis heureux d'être un simplet, là. Je suis heureux d'être un simplet. Vu que je suis un chic type, il aura un retweet. C'est déjà le max que je puisse proposer. Yo. Bien. Ça va et toi? Ça va super, gros. Est-ce que tu sais pourquoi les femmes de la préhistoire étaient plus baraques qu'à notre époque? Ouais, franchement, non. Parce que la vaisselle était en pierre. Bon, c'est pas suffisant pour gagner, mais elle est sympathique. Ça fait toujours sourire. Ah, elle est sympathique, elle passe. Bah, merci à toi, monsieur. Yes, pas de soucis, bonne soirée. Ciao, ciao. Comment s'appelle le cul de la schtroumpfette? Je sais pas. Le Blu-ray. Sympa. J'ai pas explosé de rire, mais sympa. Ça va. Mignon. Ok, bah vas-y. Ciao. Bonne soirée, monsieur.
Zach, comment appelle-t-on un nain qui sort d'une boulangerie avec une baguette? Franchement, aucune idée. Un agenda? Car c'est un petit calepin. Capté au début. En fait, la petite explication derrière a fait ça, a fait passer sa crème. Un agenda, oh, parce que c'est un petit calepin. Oh, la petite chute. Ouais, franchement, au début, je m'y attendais pas. Au début, je m'y attendais pas. Non, belle. C'est une victoire, mon monsieur. C'est une victoire, rien à dire. Allô, oui, bonsoir. Bonsoir. Tranquille ? Ça va, mec ? Ouais, ça va, super. Ça va. Comment appelle-t-on 6 flics qui s'enculent ? Aucune idée. Une brochette de poulet. Pas mal, mais je m'attendais à mieux. Ouais, pas mal, hein, rien à dire, hein, mais je m'attendais à mieux. C'est ok. Bah, ça me va. Bon, ça me va. Je suis du labo, donc ça me va. Bah, super. Bah, merci à toi, monsieur. C'est le challenger. C'est soit tu sauves la soirée, soit c'est dur, là. Bon, vas-y, je me lance. Là, je rigole pas, je trouve une technique. Allez, fonce. Qu'est-ce qui court plus vite, un TGV ? Je sais pas. Un Somalia avec un ticket resto. Nul. T'en veux une autre ? Je suis pas sûr. Qui a perdu son tête-à-tête, mon Poséidon ? Je sais pas. Grégory. Mais merde. Et bonsoir. Ça va ? Ça va bien, toi ? Ouais, ça va super, gros. J'en ai une petite. Est-ce que tu connais le point commun entre une petite fille et une belle nuit d'été ? Franchement, non. Y a pas un poil devant. Oh, le bâtard. T'es un bâtard, la vie de ma mère. Non, vas-y, tu sais quoi ? Depuis tout à l'heure, on a tellement eu des trombeaux de merde, que vas-y, tu sais quoi, ça me va, t'es gagnant. Allez, donne-moi un pseudo. Salut mon frérot, comment ça va ? Ça va et toi ? Ça va. Bon, bah moi c'est Grand Fou, voilà, je suis de retour, celui qui part super vite. D'accord. Voilà, donc je vais te faire une petite blague simple. Vas-y, et fonce, rapide. Quel est le point commun entre un premier de la classe et un pédophile ? Je sais pas. Ils ont tous sauté la classe de CP. Déjà faite. Allez, bah salut mon gars. Désolé, salut mon gars. Allez, gros bisous, allez, vas-y. Tu me sauves et je me jette. Allez, bisous. Pas de soucis. Ciao, ciao. Ça va, frangin ? Ouais, ça va super, gros. Qu'est-ce qu'un buisson au bord de la route ? Aucune idée. C'est une portugaise qui fait du stop. Ok. Peut-être une autre en stop comme ça, parce qu'elle était vraiment lourde, celle-là. Elle était bien ou pas, en vrai ? Ouais, franchement, elle était pas mal, ouais. Bah, au moins, elle réussit à te faire sourire, non ? C'est quoi ton pseudo ? Écris dans le chat, je t'offre ton sub. Mais non. Bah gros, t'as gagné. T'es un bon frère. Ah bah gros, tu crois quoi ? Oh, je suis choqué. Ah attends. Bah frérot, c'est normal, hein, perso, t'es drôle, moi c'est le concept. Hein. La vie te sourira. Merci mon gars, passe une bonne soirée. Merci frère. Hop. Hop là. Ouais, je me gosse. Ça va ou quoi ? Vas-y, j'ai une petite blague, c'est rapide. J'espère que ça va être bon. Pourquoi seulement 30% des femmes sont satisfaites au lit ? Aucune idée. Parce que je peux pas être partout à la fois. Elle est bien celle-là. Ouais, t'es un bon. Belle. Vas-y. Vous savez quoi ? On va dans le channel en dessous et on voit ce qu'ils disent. Qu'est-ce qui s'est pas passé en fait ? J'entends avec impatience. Allah Akbar ! Le zoo, sa mère. Oh, la jungle, gros. Oh, mon Dieu. Bonsoir, monsieur. Tu vas bien ? Ouais, ça va super, gros. Moi, je t'explique, je suis déjà passé première édition. D'accord. C'est la blague du parachutiste noir, je sais pas si tu te souviens. Oui. Je t'ai présenté mes excuses avec deux autres blagues. Vas-y. Comment appelle-t-on le cul de la schtroumpfette ? Le Blu-ray.
Ah merde, je la connais. Bon, la deuxième, ok. La deuxième. Allez, ressaisis-toi, poteau. Comment appelle-t-on la situation lorsqu'on est coincé entre une Marie et un Jean-Marie? Je sais pas. Une double peine. Non, monsieur, putain. Non. Je sens que non. Bonsoir. Bien. Ouais, bien. Alors, attends, je vais te donner ma blague. Allez, c'est parti. Pourquoi Zidane, il a un grand short? Je sais pas. Parce qu'il a un énorme Zidane. Parce qu'il a un énorme Zidane, mais... Non, mais on est là. Vas-y, allez, un pseudo, gros. Wesh, beau gosse. Ça va ou quoi? Bien, et toi, beau gosse? Tranquille, mon ref. T'es prêt? Je suis extrêmement prêt. Comment on dit une bière quand elle tombe dans l'eau? Je sais pas nager. Ouais, non. Salut, vas-y. Je suis con? Ou... Que dit une bière quand elle tombe dans l'eau? Je sais pas nager. Je sais pas nager. Pas vrai. Ouais, j'entends plus personne. Wesh. Oh, la soupe. Putain, merde. Écoute, tu sais quoi? Je te le dis d'ores et déjà, tu gagnes ton sub parce que tu m'as fait rire direct sans même faire ta blague. Je te laisse la faire parce que t'es quand même venu avec quelque chose. Si tu gagnes, je l'offre dans le chat. Ça te va? Le problème de la blague, c'est que je pense que j'allais me faire ban juste après. Donne juste un pseudo et on va rester là. Une toute dernière chance. J'ai envie de finir correctement. Oula, la pression, bonsoir. Ça va? Ça va toi? Ouais, ça va, super gros. Bon, je vais te la faire court. Est-ce que tu sais, c'était quoi les derniers mots de mon grand-père? Franchement, aucune idée gros. Arrête de bouger l'échelle! Toute bonne chose a une fin. Mais je vous rassure, les mauvaises aussi. Non, en vrai, elle était pas trop mal, celle-là. J'ai été un peu dur. Franchement, j'avoue, j'ai été un peu dur sur celle-là. On est sur une session quand même calamiteuse.